Bonsoir à tous. Bon, t'allez où? Oh, si, il y aura messages en plus tard. Maybe in the night. Comment ça va ce soir? On va démarrer le jeu, ça nous fera une petite ambiance. Fait plus d'un an que j'ai pas joué au jeu, hein. Voilà. Oh. Du tout. You have your family that you have problem with the application. Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu?
Yes, I think I don't have the level. Oui. Oui, c'est Data Survive, un super jeu, mais j'ai jamais vraiment eu le temps d'y jouer. Ça fait un an que j'y ai pas joué. Je suis au tout début. Ah oui, je suis vraiment là. Merci. Va se finir une zone bien.
Plus j'ai déjà fait. Je me rappelle plus du tout. Oui, je l'ai fait. Ça fait un peu. Voilà, tout. On va essayer de trouver ce que j'ai oublié. C'est ça. Oh, c'est parti.
Ok, allô. Merci beaucoup, Ludivine. Salut à toi. Soit quelque chose qui me réchauffe, soit des vêtements. Je ne pas dans le cas. Pas qu'on peut faire quelque chose avec le vêtement.
Ah, c'est pas mal l'animation. Alors, donc là j'ai du piment. Si je fais ça. Est-ce que j'ai de la viande? Je dis que j'ai de la viande. Ouais, je sais, c'est déjà pas assez. Que je trouve une casserole ou quelque chose comme ça, je pensais que c'était ça, ça marchait. Ça a quelque chose ça. Ah mais il est pas venu. Donc là, tu m'as dit, donc si je mets. Ah non. J'ai pas l'habitude des couches en. Foutu jeu japonais.
prendre deux morceaux de poulet. Trois morceaux de piment. Merci. Oui. Donc protection contre le feu 8 minutes. Alors je vais en faire deux. Bon, plan X. Ah, c'est compliqué quand tu changes de console, de manette, de jeu. Il n'y a que Nintendo où les touches sont inversées. Ah, ça devrait être bon. Ah ouais, c'est ça, puis ça fait longtemps que j'ai pas touché à la Switch. Je crois que depuis Animal Crossing, il y a plus de 8 mois. Coucou Gorm. Salut Bonne. Ah ouais, ce qui paraît, il est bien pour les fans de Donald Duck. J'avais commencé sur la Wii U. C'était injouable. Ah, j'ai fait des plats pourris. Excellent. Donc là, si je fais. Ah oui, comment ça, des notes de son? C'est mon micro ou c'est l'intermédia qui déconne? Salut, comment ça va? Oui, fatigué, effectivement. Le week-end approche. Ah non, sur Adblock, d'accord. J'avais vu quelques reviews sur internet, les gens étaient vraiment pour les fans, mais pas de personne se plaignait, mais bon. La Switch, c'est un monde à part. Voilà. C'est un sacré bon ça. Moi je suis pas trop attégé donc
sûr que ça va être bien. Super. Oh non, personne n'est là, j'en préfère de l'argent. J'ai pas encore croisé de rubis. Ah, mon Zelda préféré c'est Link's Awakening. Oh ouais, je suis sur PC, mais je joue avec la Switch. Sous le bureau, elle est juste là. Encore, je l'ai acheté, il est là-haut dans l'étagère, mais faut que je le fasse. Salut Sam. La Switch, je la prends plus pour une console portable. Hein. Si tu cherches vraiment du gameplay et des jeux, si tu cherches du graphisme, c'est pas pour toi. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici?
Gum, c'est un petit peu le même problème que sur la Wii U, au final. Il y a assez peu de jeux solo. Les jeux multi sont quand même sont assez assez élitistes. Hein. Pour moi, c'est un peu compliqué. Genre, je vois pas est-ce que les gens peuvent trouver plaisir sur un Mario Kart. Mario Kart, ça fait longtemps que la console serait passée par la fenêtre. Ah oui, là, par le online, tu te fais déconnecter toutes les 2 minutes. Et ça, c'est horrible. Et ça, c'était déjà comme ça pour. C'était déjà comme ça sur la Wii. J'ai là-bas. D'accord. Ah, c'était gratuit sur la Wii U? Ah oui, exact, c'était le dernier. Elle est gratuite. Oh, mais la Wii U, c'était la console de l'enfer. Fait. Le problème que je fais avec Nintendo, c'est que à chaque génération, ils en font le même coup. Des remasters, de remasters, de remasters pour toutes les consoles, ça permet de combler les trous, et de temps en temps, tu as un nouveau jeu qui est une nouvelle version d'une licence déjà connue. Alors, pourtant, on vante les mérites de la sortie de. Quel Zelda qui ressort, je sais plus. Enfin, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça. Ça commence à se voir comme que leurs jeux sont un petit peu anciens. Bon, l'eau est trop froide. C'est pas le bon plan. Ouais, franchement, ouais. Ouais, la Switch, je l'ai trouvé à pas trop cher. Juste pour le jeu là. C'est ça, Skyward Sword. J'ai jamais fait Mario Odyssey. Je vais taper à
acheter la compilation 33 Mario. Je trouve que. Moi, je vais pas t'emballer. Je vais pas Mario 64. Ah mais c'est un arnaque. C'est pire que tout. Non, mais non, c'est bon. On s'appelle. Ouais. Thank you.
C'est terrible. C'est terrible ce qu'on vient de vivre. Ça va finir en jeu de golf, hein, je vous le dis. Ou un petit The Long Drive. On aurait pu discuter un peu. J'ai fait deux fois la même chose au même endroit. Le jeu, il est quand même, pour le début, il est quand même assez, assez punitif. T'as pas d'endurance, tu dois déjà gérer les problèmes de nourriture, les armes biodégradables. Ouais, j'avais vu ça, qu'il y avait des combinaisons pétées pour avoir des super nourriture. Si l'autre nous avait filé directement le cerf-volant, on serait pas.
qu'ici, on a tous porté une jupe dans notre vie, hein, je crois. On peut pas se le cacher. Hein. Ah bah en fait tu débloques tous les pouvoirs pratiquement là. Oh oui, il y en a. Il y en a. C'est une autre façon de voir que c'est plus de ça veut dire que moi j'ai croisé beaucoup de gens cool. Ça veut dire ça hein, en fait. C'est que des gens timides, on va pas se mentir, j'en vois beaucoup par message. Elle est énorme celle-là. Thanks. Voilà. Alors. Thank you.
Exactement, genre, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ça devrait être obligatoire. Même si c'est juste pour l'expérience sociale. Allez, retour à... Franchement, oui, sur un planète, il vaut mieux être une femme qu'un homme. Ou au moins, quelque chose qui ressemble à une femme. Sur Internet, je dirais.
passé dans un monde, dans le monde de Mad Max. Pas besoin de s'épiler, pas besoin de se raser, pas besoin de faire un... Par contre, tous les collants seront déchirés. Là, est-ce que je peux descendre? Ça se tend. Là, on est dans la vie. Là, on a quoi? Il est méchant. De la choper, elle est déjà morte. Je vais foutre de l'opale. Alors, donc là, il faudrait que j'aille ici. Non, c'est la tour.
On va aller choper le petit jeu. Hein? Ah non, mais c'est bon. Hein? Voilà. Pose une question, c'est un mot généré aléatoirement. Parce que 4 digits n'était pas suffisant pour les mots de passe. Tout simplement. Alors, je sais plus c'est quel jeu qui faisait ça. Ou... Je crois que c'était un jeu Star Wars. Tu pouvais rentrer et te générer automatiquement les noms. Je crois que c'est The Old Republic qui faisait ça et tu pouvais, enfin t'arriver, bah t'étais obligé de ça générer un nom et tu faisais paf. Et j'ai fait oh sympa et j'ai laissé. Il était pas là, petit vieux là. Thanks, Steve. Yes. I love them, but it's complicated to have one team on the road. Imagine, ça aurait été, un nom stupide. Hein. Imagine, Lily, Akbar, ou des trucs comme ça. Tellement cliché. Oh, donc ça c'est trop bien, ça fait toujours 10 digits dans le livre. 9 digits, donc comme c'est 8 digits minimum, maintenant sur les sites, ça fait pas tout le long. Ah, j'en ai fait 3. Ah, je l'ai oublié. Hein. Donc ça, celui-là, je l'ai fait. Ouais, on se trouvait chaque jour. Ouais,
Yes, mate. It was amazing to work on it, but it's really, really beautiful. Ah, c'est ça. Donc, avec les bombes, on va se cacher quelque part. Là. C'est lui que j'ai pas fait. Voilà. Là, ouais, c'est ça, j'ai fait celui-là. Super. Oh. Ah si, j'avais fait celui-là, non? Ah, c'est les pompes. Ah mais j'ai plus de piments. Il faut des piments. Hey. Mais non. Ah. Bon, il y en a là. Ah mais voilà, mon sens de l'orientation c'est terrible. Ça c'est le marqueur que je mets sur le exprès. Ah
Oui, non, le pied. Toujours plus de touches. Juste à côté. Ah mais c'est nul. Bah, c'est de l'anti-jeu. À ce niveau-là, tu peux pas leur résister. Il est beau le super-héros Link. Il s'enfuit parce qu'il... je trouve que c'est très japonais comme concept. Hein. C'est... Il est censé être le héros d'Hyrule, l'un des champions et tout, et même si tu te réveilles, t'as pas vu un petit peu tes facultés, tout ça et tout, là t'es obligé de maroufler le jeu pour en sortir. Quoi. Ça,
Ah ouais, ils ont prévu le truc. Quoi. Il faut beaucoup de cœur pour l'avoir. Et eh ben voilà, impeccable. Il y a donc une grosse ah.
Hey. Au centre de la croix. Oui, il va arnaquer le vieux là. Centre de la croix. C'est au temple. Ah d'accord. Il m'a fait un arnaque. Salut Sarah, ouais ça va bien et toi? Mais quelle année déjà, celui-là, 2015 maintenant. Ah c'est tout. Ah je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça. Comme il vient de la Wii. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est sorti à la vraiment toute fin de la console. Ouais. J'hésitais entre 2015 ou 2016, tu vois. Oui, où le petit vieux là, donne le tapis volant. Mmh.
Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil, alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenu sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ses paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un proche chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourés de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Même du château d'Hyrule.
prit le contrôle des gardiens et des quatre créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le Fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette chez Ika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé. Puis, prends la route qui part vers le nord. Ça va être cool. Ça, ça dure tellement longtemps que la console reste en live. C'est vrai que j'ai ma fille là. Ok, un arc. Il n'y a pas de place. J'ai tous des trucs. Ok, alors comment on sert de cette cochonnerie?
des pommes ou un truc comme ça. Bonne soirée, à bientôt. Je vais pas tarder aussi de toute façon. On va aller, je sais pas, essayer de trouver. On va descendre. Je vais voir ce qu'il y a en bas. Ah ouais, mais t'as raison. Il est pris du côté dans la vie. On va trouver un petit village sympa ou un peu de temps pour... On va aller autant. Je vois ça tout droit. Le renard. Ah, pour moi, t'es sûr que derrière, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de quiproquo. Mmh.
clairement. Ça. Bah, si tu travailles avec quelqu'un et il accepte, c'est cool. Et en plus, tu peux lui gratter 2-3 trucs après derrière. Moi voilà, j'espère que vous avez apprécié ces deux petites heures tranquillement sur Zelda. Déjà moi je suis content parce que bah, je peux enfin streamer des consoles, ça c'est cool pour ce genre de petit jeu tranquille. Et puis ouais, c'était calme, c'était bien pour finir la semaine. Bon, à part Ogorm qui est au taquet, tout le monde va bien. Tout le monde est prêt pour ce vendredi. Je comprends, hein, pas de soucis, regarde. C'est normal. Hein. Non, bah, tout le monde a l'air. Tout le monde a l'air calme. A l'air calme. Ouais, c'est chouette. Bah, sur ce, bah, je vous remercie à tous. Hein, puis, je souhaite un bon vendredi. Puis nous, on se retrouve, je pense, un peu plus tard. Ah. Et non, il y a Sand. Bah, figure-toi que Sand, je connais quelqu'un qui est parti au Grand Prix, je crois, en Angleterre. Voilà. Bon, bah, je finis en anglais. Alors, thank you very much for coming. See you soon and have a good night. Bye. Thank you.